En 2001, l'OPPE a été fondée par les pouvoirs publics, donc l'Observatoire des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat. Il n'y avait pas une culture entrepreneuriale assez forte en France et il était peut-être important que le système éducatif puisse jouer ce rôle de développer un esprit d'entreprendre chez ces jeunes. Donc l'ambition de départ, c'était ça, c'était de développer cette compétence dite entrepreneuriale. Et l'idée, c'est pas de faire de tous les jeunes des créateurs d'entreprises, mais bien de développer un esprit d'entreprendre, qu'ils puissent entreprendre leur vie. Et on a organisé depuis ces journées des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat qui visent justement à sensibiliser les professionnels de l'enseignement, de la formation et de l'accompagnement des jeunes. Tout simplement parce que, comme tous les jeunes passent par le système éducatif, quand on sensibilise un enseignant, on sensibilise par ricochet 200 jeunes par an. L'idée, c'était aussi d'échanger les bonnes pratiques, de pouvoir les outiller. L'entrepreneuriat est une voie de carrière possible. Donc mon souhait, ce serait que on diffuse encore très largement les dispositifs pour que tous les jeunes puissent vivre cette expérience entrepreneuriale. Je souhaite aussi que les enseignants soient sensibilisés, voire même qu'on puisse leur proposer des formations, et c'est d'ailleurs un de leurs souhaits. Ils nous le demandent régulièrement. Énergie, enthousiasme, équipe. Quelqu'un qui est en mouvement, saisir des relais, voilà, saisir des opportunités.